Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, Diamond Painting aujourd'hui. Eh oui. J'ai pris mon Diamond Painting aujourd'hui, donc la chasse fleurie. Celui que je faisais en même temps que Sylvie, qui, elle, l'a terminé. Donc elle a terminé le sien, je vais vous mettre la photo après pour vous montrer son DP, puisque comme vous savez, pour le moment, maintenant sa chaîne est en stand-by, elle a mis sa chaîne YouTube en pause, donc je vous mettrai la photo de son DP terminé. Donc elle l'avait fait avec des perles rondes, et moi ce sont des perles carrées. Donc là, oui, là, bon, je suis en retard, mais j'ai traîné, voilà, avec le jardin, avec le jardin, j'ai traîné, donc j'ai pas pu aller sur mon DP avant, donc bon, il me reste plus qu'une ligne à faire, donc ça va aller vite, après, pour le terminer. Je pense que d'ici là, bon, je me donne les 2 semaines là, bah, qui vont suivre et puis il sera terminé. Enfin. sinon, bah, il est super beau, hein, c'est nickel pour le faire. J'ai pas de problème avec les perles. Je vous remettrai d'ailleurs le lien de la boutique où je l'ai pris, hein, je l'avais pris sur AliExpress. Je vous mettrai le lien. Les perles là sont de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Je suis encore coiffée avec un clou moi ce matin. Oh. Il faudrait que je retourne chez le coiffeur, mais je n'ai pas le courage en ce moment. Sinon, bah, rien de neuf. Pas de jardin aujourd'hui parce qu'il pleut dans le nord. Il pleut, bergère. Ouais. Et puis il va pleuvoir pendant quelques jours. J'ai vu sur le site de Météo France qu'il allait pleuvoir au moins jusqu'à dimanche. Enfin, le week-end ici, normalement, c'est bon. Mais après, il va pleuvoir jusqu'à dimanche prochain. Si c'est pas plus. Youpi! Bon, au moins, j'arroserai pas mes plantations. Je gagnerai ça en eau. puis, bah, de toute façon, je ferai autre chose dans la maison, du coup. Je me rattraperai dans mes créations. J'ai quelque chose à préparer. Puis j'ai aussi la feuille de le scrap avec la photo de mon petit-fils à faire parce que je ne l'ai pas encore faite. Ouais, j'ai encore du boulot. Hein. De toute façon, ce n'est pas ça qui me manque. Hein. Même quand il pleut, je suis pas sans bosser. J'ai toujours, toujours, toujours des choses à faire. Voilà. Faudrait peut-être aussi que je ressors mon tricot. Chaque fois, ça, c'est ça. Moi, le tricot. Alors, je sors un tricot. Je commence un tricot. Et je le laisse sur le côté. Et puis après, ça me reprend plusieurs mois après, pas plusieurs semaines, mais plusieurs mois après pour le continuer. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un gilet avec un col châle à finir. Enfin, il est fini de tricoter. C'est pour Chouchou. Le tricotage est terminé. Ça fait 2 ans que je dois le monter. Ça fait 2 ans que je dois monter le gilet. Faudrait peut-être que je le sorte et puis le faire. Parce que bientôt, il va plus savoir le mettre, sinon. Il faudrait que je m'en occupe. J'ai ça, j'ai un pull à moi. Alors, il y a un pull que j'avais tricoté pour moi. Et puis, comme j'ai. Ben, le pull, je l'ai abandonné parce que j'ai dit, oups, non, je ne rentrerai pas dedans. Donc, lui, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être le détricoter et je ferai autre chose. Et j'en ai un autre qui est commencé, qui est là, normalement, dans la bonne taille.
qu'il faut que je termine. Le dos est fait. Le dos est fait et j'avais commencé le devant. Mais le devant que j'avais commencé ne me plaît pas. Donc je vais le détricoter. Il faut que je le détricote et je vais le refaire. Et puis faire les manches, bien sûr. Mais le tricot, c'est vrai que c'est si je le mets de côté, c'est mort, hein. C'est mort, mort, mort. Tricot, il faut que je reste dessus de A jusqu'à Z. Sinon, si je le pose et que je le laisse de côté pendant un moment, c'est mort. La preuve avec le gilet pour chouchou, va falloir que je le sorte et puis que je m'en occupe pour lui monter. Parce qu'il serait, ce serait bien qu'il le mette sur lui hein, quand même. On dira, non, c'est pas mon record ça. J'ai un gilet à moi. Alors lui, c'est sûr que je ne saurais plus le mettre du tout. Que j'ai tricoté en coton. Ça venait de. J'avais tricoté avec un modèle de chez Fildar, je crois. Fildar ou Pingouin. Je sais plus. Enfin, je ne sais plus. Alors, je vais vous dire. Ça remonte à 5 ans. Le pull est fini, le gilet est terminé de tricoter. Il attend d'être monté. Voilà. Mais lui, je sais que je ne saurais plus le mettre. Donc, bon, il faudra que pareil, que je le sorte. Comme c'est du coton, en plus, ça chiffonne, hein, le coton. Donc, il faudra que je le sorte, voir son état. Le monter et le monter. Et puis, dans ce cas-là, bah, je verrai soit ma petite fille ou ma belle-fille, si ça leur va. Ça leur plaît. C'est un truc multicolore en plus, donc normalement ça leur plairait. Et puis je leur donnerai. Parce que moi, non, je ne peux pas rentrer dedans. Et là, du coton, le détricoté, c'est mort. C'est mort. Donc voilà. Bon, ça y est, je blablate, je blablate, je blablate encore. Mais je sais que vous aimez bien quand je blablate. Donc oui, il faudrait que je sors mes tricots. Puis encore plein de laine hein, pour tricoter tout. Cette semaine, j'y pensais. Je dis, ouais, j'ai envie de tricoter. Mais bon. On verra. Sinon, ben, rien de neuf. Voilà, que du vieux. Comme moi. Allez, bon, je vais vous laisser visionner cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc, du coup, la prochaine vidéo est la dernière. Ce sera ouais, je pense que ce sera la dernière. Du coup, normalement, c'était le 5 et le 20 du mois. Donc là, je suis terriblement en retard, puisque demain, nous sommes le 30. Enfin, aujourd'hui, nous sommes le 30. Donc, la prochaine vidéo, là, sera pour je disais pour écrire Fifi, elle est en train de gratter la porte pour monter l'escalier. La prochaine vidéo, du coup, est la dernière pour ce kit. Je la ferai pour le 15 mai. Voilà. Vous aurez le final de ce kit le 15 mai. Croisez les doigts. J'espère que il sera fini. Mais oui, il sera fini. Voilà. Voilà. Les nouvelles du jour. Bon, moi je vais encore un. Oui, je vous prépare un truc aussi, mais bon, ça j'en reparlerai plus tard. Voilà, je ne vais pas tout vous dire dans la même vidéo. Hein, après, je n'aurai plus rien à vous dire dans les autres. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, parce que le week-end arrive. Hein, donc. Là, je sais pas ce que je vais vous faire comme vidéo pour ce week-end. Une bonne fin de mois. Et puis, ça va être le 1er mai. Donc, j'espère que vous aurez toutes et tous votre petit brin de muguet le 1er mai. Hein. Moi, je n'en ai pas encore mis dans mon jardin. Ah, c'est ça qui manque dans mon jardin. Oui, voilà, j'en ai pas mis. Il faut que j'en mette. Bon, ce sera pour l'année prochaine maintenant.
j'espère que vous aurez tous votre petit brin de muguet pour le 1er mai, qui vous portera bonheur à tous, mais ça, bon. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Bisous, bisous.